C'est la culture avec Salim Brahimi. Vous, vous le connaissez sous le nom de Salim Brahimi. Moi, je le connais sous le nom de, l'alias Sayan. Bonjour. Bonjour, Soraya. Ça va ce matin? Très bien, et vous? Très bien, alhamdoulilah. Alors, on va parler de... musique. De musique. Alors, pour cette matinée, et pour adoucir les mœurs, on va s'intéresser à une nouvelle sortie algérienne. Chaque chanson, chaque production culturelle algérienne se célèbre, bien sûr. Bien sûr. Et c'est la chanteuse de variété algérienne, Men El Gharbi, qui s'y colle. Elle vient de nous dévoiler la chanson Win and Save dans le mode Mezmoum. Et justement, pour la découvrir, Nadia Siyassi a fait sa rencontre. Men El Gharbi, interprète de musique andalouse, animatrice, nous surprend à chaque fois. Win and Save, un single avec des sonorités modernes tout en gardant l'authenticité de notre patrimoine. Win and Save, paroles et musique de l'artiste Zinou Djouadi qui a aussi signé les arrangements avec le duo de DJ 12 et Yihad. Qui se sont occupés du sound design est un titre donc moderne, chanson algérienne qui s'inscrit un petit peu dans la nouvelle tendance de pop algérienne que nous connaissons depuis quelques années déjà. C'est un petit peu loin de ce que j'ai l'habitude de proposer puisque je suis à la base une chanteuse de musique andalouse. Mais les gens qui me suivent et qui me soutiennent savent que mon univers musical il est un peu plus étendu que cela puisque j'ai baigné dans une famille de j'ai grandi dans une famille de mélomanes et je me suis nourrie de beaucoup de styles musicaux donc pourquoi pas essayer un nouveau style pop algérienne qui est la tendance aussi actuelle. Vous pouvez écouter Win Save de Men El Gharbi sur YouTube et prochainement en version acoustique en concert. Moi, je salue 12 et Ihen qui font l'excellent travail. Ce sont deux jeunes qui produisent de la musique, qui créent de la musique, qui sont algériens. Et je les salue. Win and Save. Win and Save, où vais-je trouver cette personne? Donc, Win and Save est disponible bien sûr sur les réseaux sociaux pour les personnes qui veulent la découvrir. C'est une chanson romantique très inspirante. Pour rappel, il y a quelques personnes qui me posent la question pour la pop musique. Les connaisseurs, bien sûr, savent de quoi il s'agit. La pop musique, ça se détache de la musique populaire et qui ne rentre pas dans les registres conventionnels de la chanson, tels que par exemple pour nous, le shabi, le raï. On a ça, mais on a de la pop musique qui sort de tous ces registres-là. Donc, tout ce qui n'est pas classé, c'est de la pop musique. Ok, merci beaucoup, Sayan. Il n'y a pas de quoi. J'espère que demain matin, vous me direz Ida Soptou la Massach. Inch'Allah. Allez, très bonne journée.